Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez dû voir dans le titre, c'est un ask. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Enfin, c'est absolument pas original, mais j'ai reçu pas mal de questions que je vous avais posées sur Instagram. Mon Instagram, je vous le mets juste ici, c'est The Word of Lisa. De toute manière, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Et tu amoureuse, une morning routine spéciale summer de prévu, bisous. Bisous à toi aussi. Et tu amoureuse, non. Et une morning routine spéciale summer, en fait je l'ai déjà fait l'année dernière, donc je vous la mettrai dans le petit i ou alors en barre d'infos. Mais donc je vais pas la refaire parce que c'est la même, enfin c'est tout le temps les mêmes morning routines, enfin les night routines, c'est tout le temps pareil. Prochaine question, comptes-tu faire des vidéos back to school? Oui, j'aimerais beaucoup, je pense vous en faire deux ou plusieurs, enfin pour l'instant j'ai que deux idées. Une idée où mes fournitures, mais elle arrivera un peu plus tard parce que j'ai pas acheté, enfin j'ai pas reçu toutes les fournitures. Et une autre vidéo back to school où je vous fais un maquillage, mais je pense vous faire ce maquillage parce qu'il est assez discret et tout, j'aime bien. Et sinon j'ai pas d'autre idée de back to school, peut-être une routine back to school de l'avant-veille et du matin, mais se lever à 7h là, non je sais pas, je vais voir, mais oui c'est sûr que je vais vous en faire. Est-ce que tu as un animal de compagnie, sinon j'adore tes vidéos, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et oui j'ai 4 animaux de compagnie, 2 chiens et 2 chats, il y a un chat à moi et un chien à moi. J'ai Dora et Tara, Dora c'est mon chat, et en chien j'ai Fiji et j'adore. Vous les voyez souvent dans mes vidéos mais là ils y sont pas, il fait trop chaud. Depuis que tu es née, dans quel pays tu allais? Cite les Team Lisa, Team Snap, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Je vous mets mon Snap juste ici, je fais un peu ma petite promo et tout. Je suis allée en Grèce, en Espagne, au Portugal, aux Antilles, enfin à Saint-Barth, en Belgique, mais quand j'étais petite je m'en souviens pas. En Angleterre, à Brighton et à Londres, je crois que c'est tout, donc je suis allée dans 6 pays il me semble. Le pays que tu voudrais visiter, j'aimerais trop aller aux États-Unis. En Australie, surtout parce qu'il y a des amis à mes parents et tout qui sont partis habiter là-bas, du coup j'aimerais trop y aller et tout. Et même depuis pas longtemps je vais aller en Australie, à Hawaï et tout, dans les îles où il fait hyper chaud et tout, j'adore. Et aussi j'aimerais trop aller, j'aimerais bien visiter tous les pays, faire le tour du monde et tout, ça serait trop mon rêve. Prochaine question, tes séries préférées? En ce moment je regarde Once Upon a Time, j'adore tellement, je suis à la saison 5, mais ne me spoilez pas s'il vous plaît. J'ai commencé au début des vacances et franchement j'adore. Il y a 6 ou 7 saisons, il y a 22 épisodes dans chaque saison, c'est énorme. Et sinon j'ai regardé Riverdale, j'attends la suite, la saison 2. J'ai regardé 13 Reasons Why là, mais j'ai regardé je crois 3 épisodes mais j'aime pas du tout. Enfin, ça fait trop réfléchir et tout, enfin je vais pas regarder la suite. Et sinon je regarde pas énormément de séries, voilà c'est tout je crois. Comment as-tu eu envie de commencer YouTube? T'es la plus belle et tes vidéos sont parfaites, continue sur ce chemin, je t'adore. Oh, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir vraiment. Et comment j'ai commencé YouTube? Alors en fait, je vais vous expliquer depuis le début, je crois que je vous ai jamais vraiment raconté comment j'ai commencé. Quand j'étais pas petite, enfin je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 13 ans quoi, je crois. Je faisais des vidéos avec une amie sur Instagram, enfin des toutes petites vidéos. Enfin, c'était un peu, enfin c'était même très ridicule. Du coup on faisait des petites vidéos comme ça pour rigoler et on voulait trop faire sur YouTube, mais elle, sa mère, elle voulait pas. Du coup j'ai fait toute seule et voilà, ça a marché comme ça. Surtout qu'avant fallait pas dépasser 10 secondes, du coup fallait poster plein de vidéos, c'était tellement ridicule mes vidéos. Enfin je disais rien et tout, mais je sais pas, enfin je sais plus ce qu'on faisait comme vidéo. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, est-ce que tu as fait quelque chose dans tes cheveux, décolo, ombré, balayage, ou c'est naturel? Je vous mets ma vidéo dans le petit ou en barre d'infos. J'ai fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs je l'ai sortie assez tard, j'avais fait en juin, je l'ai sortie en août. J'ai fait une vidéo où j'explique tout sur ce sujet. Donc oui j'ai fait un balayage ou des mèches, je sais plus. Du coup allez voir la vidéo. Quelle est ta ville préférée et pourrais-tu nous montrer tes sneakers? Continue comme ça, je t'adore, merci beaucoup. Alors pour mes sneakers, oui, j'attends juste de faire mon anniversaire et après ça, parce qu'à mon anniversaire je vais en recevoir et sinon j'aurai 3 paires de chaussures à vous montrer. Donc je vais attendre mon anniversaire et je vous montrerai. Sinon ma ville préférée, j'aime bien Biarritz, enfin là où j'habite, parce qu'il fait beau, il fait chaud et tout, enfin pas tout le temps il fait chaud, aujourd'hui il fait chaud heureusement. Et sinon moi ouais, j'aime bien Biarritz parce qu'il y a la plage, il y a le beau temps, enfin c'est trop bien. Sinon après j'aime bien Londres, Brighton et tout en Angleterre, je trouve ça tellement beau, les villes et tout, enfin au bord de la mer Brighton, je trouve ça trop beau. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? Bisous, je t'aime moi aussi, c'est trop chou. Et je passe déjà en première STMG, oui. Enfin, ça, ce n'est pas une honte de passer en première STMG. Tout le monde croyait que je passais en ES, mais non, en STMG. Bref, je voudrais faire. Avant, je voulais faire avocate, mais maintenant, je voudrais faire dans la communication ou dans le marketing ou quoi. Enfin, je sais pas trop, c'est un peu large. Du coup, c'est pour ça que je vais en STMG. Est-ce que tu organises un meet-up? Si oui, tu pourrais venir dans le nord de la France. Bisous, t'es magnifique. Bisous, tes vidéos magnifiques. Merci beaucoup. Et dans le nord, non, je pourrais pas venir parce que c'est super compliqué à faire des meet-up. Et en plus, là, l'école, elle va reprendre, donc faut que je travaille. Et peut-être un meet-up sur Biarritz, donc restez connectés.
enfin peut-être à la rentrée un meet-up sur Biarritz, donc voilà. Comment est-ce que tu as commencé YouTube? J'ai commencé en 2015, le 23 juin, un truc comme ça. Du coup ça fait un peu plus de 2 ans. Si tu as la chance de jouer dans un film, ça serait lequel? PS, tu as un sourire magnifique, mais merci beaucoup. Et j'aimerais trop jouer dans des films et tout, enfin ça serait trop trop bien. Et dans quel film? Je sais pas du tout, mais j'aimerais bien, enfin même aujourd'hui là j'aimerais trop. Quelle est ta pire honte que tu as eue devant une ou un abonné? Je me souviens pas, je sais que des fois c'était très gênant. Même des fois dans la rue et tout, il y a des gens qui arrivent, ils viennent comme ça à côté de moi, ils prennent une photo. Je suis là, tu peux pas dire bonjour, enfin déjà tu peux me demander quoi, enfin même si je vais dire oui à chaque fois. Mais enfin je sais pas, des fois comme ça, ou même des fois dans les Sephora ou quoi, ils se mettent entre les rayons, ils prennent en photo, je suis là mais en fait je suis à côté, enfin bref, c'est un peu bizarre des fois comme ça. Du coup si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir plutôt qu'à me prendre en secret parce que c'est très gênant. Le top 5 de tes produits favoris, donc je voulais présenter tout d'abord, c'est ce parfum que j'adore, c'est le Terracotta de Guerlain, il sent tellement bon pour l'été, même pas que pour l'été, je vais l'utiliser tout le temps. Mais je me mets comme shit parce que j'ai pas envie de le finir hyper vite, mais ils sont tellement bons, c'est mon parfum préféré. Allez le sentir au Sephora, ils sont trop bons. Ensuite il y a ce mascara de chez MAC, il est tellement bien, c'est celui que j'ai mis pour mes cils. Mais je vous ferai un maquillage de rentrée avec ces produits. Du coup c'est le nouveau mascara, en fait il a 2 brosses. Une petite pour les cils du bas, enfin qui me sert pour les cils du bas, et une grande pour les cils du haut. Et il est vraiment trop bien, en plus le packaging est magnifique. Pour les lèvres, c'est un produit de chez NYX en teinte Abu Dhabi. Et c'est le Soft Matte là, comme ça il est trop chou. Et 2 autres produits de chez MAC, c'est un blush en teinte extra dimension et il est un peu irisé, enfin du coup je m'en sers comme un lighter et je le mélange à celui-là que j'avais acheté sur en boutique MAC. C'est en teinte Mineralize Blush Cosmetic Force, il est super joli, enfin il est un peu rose et tout, enfin il est pas du tout irisé lui. Donc voici mes top 5. Et dernière question, fais-tu partie de la team saucisson? Continue tes vidéos sinon on t'adore, merci beaucoup. Et oui, j'adore le saucisson, je savais même pas qu'il y avait une team, enfin c'est pour rigoler. Mais j'adore le saucisson, oui, donc oui, je fais partie de la team saucisson. J'ai répondu à quelques questions, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont tous en barre d'infos. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.